Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmis ak map pou la kay. En fait, on nous dit que Minneapolis vraiment là pas gen dormi nan je depuis toute journée hein et pas gen affaire de couleur blanche ou noire réuni. Y a demandé justice justement et bien pour noir ça que on dit que la police en fait non pas lycée Joy Floyd que la police effectivement t'est sacrifié. C'est un crime horrible. On dit que zone là vraiment à chaud. Yo tiré en pile couteau, yo crasé machine la police. Tout nan nuit, dans moment n'a parlé la ligne bien tard, ça a pas empêché en fait nous ka montre quelques images que police obligé rete moun yo pas dormi. Parce que moun yo dit yo pas prend ça nan main yo. Une 21e siècle ça, ce genre de discrimination. Nous voulons dire que police qui touille et nous voilà, yo te joine normalement yon inscription Klu Klux Klan la Kaili. OK? Tenez bien, yo joine yon inscription Klu Klux Klan. Nan moment on a parlé là toute la nuit, eh bien gaz a tiré, moun yo a tiré wash, c'est dire zone a presque vini vraiment de manière incontrôlable et son façon que moun yo a rappelé yo que yo pas prend ça dans main yo nous capable bo we en fait on faut entendre people laid out okay. En fait moun yo dans la rue moun yo pas dormi le noir nan nuit pas de personne moun qui dormi en fait bien que la pluie cap tomber hein bon si la pluie cap tomber ça pas empêcher que tout moun nan la ri a protesté tout nan nuit lan et même en bas la pri a même en bas la pri a gen plusieurs jeunes ton façon pour moun yo di que yo pa pran ça OK c'est ça que tout jeune yo di parce que scène ça que nous avons assisté là c'est un véritable crime c'est comme s'il était pan. En fait, ça c'est ça qui a passé en direct là. Ça a passé en direct là. Mais faut nous depuis dans la matinée et en fait depuis bien bonnet et bien t'es gain des marches mon un peu partout, nous capable ouais là tant que là c'est par hélicoptère image ça y est et c'est des images et quantité monde qui justement tape marché. Et yo te vraiment shot down intersection Minneapolis là c'est yo t'a protesté effectivement exécution Joy Floyd que yo touye vraiment nan yon condition vraiment déplorable donc voilà c'est des images d'hélicoptère depuis bien bonnet et vers les en fait là c'est vers les 4 heures yo et donc fon dou que nan moment là Minneapolis vraiment out of control et vraiment out of control son dou que c'est tout membre dans communauté à qui réveillé yo réveillé ensemble pour dit non yo pas prend ça et que yo même y a demandé justice ça t'a veut dire que yo pas veut pour même baga qui qu'on fait nous songer et plusieurs autres noirs qui mouri dans condition ça et fois ça yo veut que pour gain justice pas oublier que yo révoqué et quatre policiers qui étaient dans mission ça mais révoqué c'est comme quoi généralement yo dit révoqué pour investigation mais pas gain investigation dans dossier ça là. Qui sak pral investiguer là? Pas gain investigation. Généralement, yo dit c'est pas principe depuis gon bagay qui fait faut et comme si yo dit yo meto on leave. C'est logique pour nous comprendre ça qu'a fait là. Léon barrer les ça révoqué parce que principe là c'est que yo qui to aller pour investigation. C'est comme quoi en dit en toute logique c'est révoqué pour investigation, il t'a dit que dans le cas que investigation hein t'a montré qu'on pas coupable ou capable venir reprendre job et ça t'avait dit là. Hein? Ça l'avait dit là.
Ok. Mais faut me dire tout causer ça gain en pile mon cap dit effectivement si ou black et que ou abdou pour Trump parce que li encourager phénomène de disparité ça gain monde qui dit yo pas besoin zami avec monde comme ça même parce que monsieur participé justement à créer un sentiment de haine à l'égard de la communauté noire là la rappelons que lorsque nous songeons Arbery, jeune homme qui est officier dans semaine en étant tab jogging, Donald Trump te dit bon peut-être qu'a grand parti dans tête là qu'une pas fin ouais donc le terme l'a chercher ouais qui gens était capable de nous justification de cause alors il dit capable grand parti que nous pas fin ouais dans tête là c'est deux choses en fait bon nous montre que en fait ça nous les dit là encore par exemple on regarde là c'est que police obligée était tout barré. Pour nous de ça comprendre là, c'est vraiment ça le lockdown, est obligé de barrer tout côté parce que moun yo mobilisé pour yo craser. Pour yo craser, briser en signe de protestation. Yo mobilisé. Ça veut dire police obligée gain travail nan men yo là, yo pas dormir à soir là. Maintenant, ça pour comprendre nan causer ça. Bon garanti, il y a quelques, enfin pas quelques, bon ban nan police sa yo kap di gade nan sa nèg la la genou la non. C'est sa réalité ya. Parce que yo tout nan problème la. Nou dou ke genyen la, yo pa bezwen konnen. Yo krasé machine yo parce que yo identifié yo comme police. C'est un collègue ou qui fait li. Bon garanti, gon ban la kap di gade nan sa on nèg la genou. Li la genou nan chaud. Parce que actuellement la forme clé sou, pa bay tèt nou menti. Nan mi a police, et yon moun ki police nan moment la ou tout vous nan mauvaise position ou en très mauvaise posture et ça au dangereux parce que ça vous comprendre là il faut que pressé pressé yon rende justice il faut que pressé pressé yon tranché sous dossier ça parce que gen moun ki dit que bagay la ka dégénérer yon préparé pour faire dégénérer ok donc il faut que yo rend justice parce que ça gagne sous vidéo côté que police là jeune homme là li minoté li par terre ou prend kakon genou mette sous nek li et la di ou en fait n'a pas plusieurs moun ki là la di ou que li pa ka respirer li de tout côté la hurt gon côté li di ban mon ti glo gon mon côté li di encore they want to kill me. Et pour qui ça? C'est pas pour voler un des deux là. C'est un faux chèque, c'est un store, oui. Yon directeur, yon store qui relève les polices parce qu'il suspecte que chèque monsieur a son faux chèque. On l'a vérifié, il pas de faux chèque vrai. Est-ce que vous comprenez? Mais pour qui ça? Et jeune homme ça a perdu la vie lui. C'est pour ça qu'il a perdu la vie. Donc pour faux chèque, les arrivés, ils rejoignent ni. Yo gant an fè hipotèz ke n pa ka prive, ke n pa ka prouve, bien entendu, ke l te sou influence de la drogue. La realite ki sa. Drogue dos Etats-Unis, tout moun kon sa. An pil moun pran drogue, nan pli ou nivou, yo pran drogue yo. Ok? Pil moun fi, men li telman vre konye la, nou kon istwa peyi ya. Ge plizye stet yo legalize fi men. Ok? So, sa ta vle di, nou vle di ki sa, drogue aux États-Unis presque vraiment pas yon alibi pour yon arrêter moun. Peut-être que ça yon légalisé drogue. C'est parce que yon a gen trop moun kap filmé dans le pays. Et que si yon entre dans logique à arrêter moun, mette moun dans prison, l'État pral investi yon pile kob dans bon prisonnier tout simplement. On bon l'autre côté choisi légaliser. Certes, yon parle de monsieur sous influence de la drogue, mais ça a pas empêché que nan yo te arrivé maîtriser soit arrivé maîtriser au monde et que et genou sou koli ou maître et liminoté pour qui ça continue à peser jusqu'à ce qu'il n'ait la fait sang gen moun ki di mais la bay sang gen kap di mais son être humain li tout monsieur pas attendez le pire dans l'histoire c'est que même lorsque nous a fin mourir il continue à peser kou la terre et nous dou police ça yo wè inscription klou klou klan la Kaili. Donc, ou ka comprendre ça veut dire. Maintenant, nous pral tombe à la gen pe moun ki gen pas d'accord. Nous même nous ta vle rete kwè que gen bon policier tout. Nous vle di ça. Gen bon policier.
gain policier qui fait et profession avec tout respect, tout honneur. OK? C'est clair. Parce que ça, vous ne comprenez pas la police, là, tout policier dans le show là. Second monde dans un policier là, il est en danger. Parce que tout le monde ouais, mais à cause de yon grand monde. Yeah. On ne pas dire à cause de grand monde, à cause de quatre nègres. Parce que quelque part, nèg qui était dans l'équipe, ça a été gain pour responsabilité pour te frapper dans main dans dos monsieur vous dit mon cher, faut un petit camp se poser ça non mais. Patrouiller nèg là. OK. Patrouiller. Faut dire que ça pour comprendre pour asoya là, pas gain dormi. Pas gain dormi pour police yo là. Yo obligé à veiller base yo là. Parce que si yo pas veiller là, y a met 10 fait la dernière boulet. C'est moun yo mobilisé. Moun yo mobilisé son façon pour montrer que yo en colère par rapport à ça que t'es fait là. Donc c'est comme ça et causé a déroulé là, yo a demandé justice pour George Floyd qui n'est yo vraiment ça qui terrible, c'est fait que grand bande monde cap passé cap dit mon cher you think it's cool cap dit ça ou pensez ça va faire cool hein. Come on man, you had him down. Ou gen kontrol, il pa tande, il touye l kan mèm. Se vreman terib e inaseptable. E wapwe ke gen de pos, de se yon moun kap di, se yon vie moun an mwes ke yo touye. Son vie moun an mwes ke yo touye. Ou kompren? Donc voilà guys, nou te justement pou te yon update pou ki jan Minneapolis kote yo touye Joy Floyd ye. Aswe la, pa gen dominanje pou polis la, e pa gen dominanje pou plizye moun nan populasyon an. Justeman, e mwen la yo leve men yo an lè. Ouye? Danshu, jan. Leve men danshu. Oh, yo? Ok? Mwen. Voilà. Are you shooting? Ok, guys. Bon, voilà. Mwen te pote justement e update pou ou jan baye sa evolue. E fabriye ke nap viv nan lot moun tou. Tout bagay ou fè rekod konye la. Si pat gen telefon, bay sa va tap fè bri kon sa. Tout koto ye yo ka rekod ou. Ok? Donc voilà guys, nou te pote update sa pou. Pabliye rete branche, rete konekte. Nap pou met ou, demen si Dieu ve. Pou nou konen ki sak pase. Nou ta souwete pa gen kas, men bagay la teren glise. Teren vreman glise la.